qui mérite d'être le premier vainqueur de Nice People, c'est vous qui décidez. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau résumé quotidien de Nice People. Depuis mercredi, vous le savez, Elena, la Russe et Prosper, le Français, ont été nominés par leurs colocataires. C'est samedi soir, lors de notre grande émission avec Arthur, que nous découvrirons le nom de celui ou de celle qui devra quitter la douce vie de la villa. Vous l'aurez décidé en votant. Vous connaissez bien sûr le numéro par cœur, c'est le 0-897-66-2003. Elena porte le dossard number one, Prosper porte le dossard number two. Il y a également le SMS, c'est magique, vous pouvez envoyer le prénom de celui ou de celle que vous souhaitez voir rester dans la villa au 70-200. Vous l'avez vu, hier, nos nice people ont dormi à la belle étoile. Et si tôt le petit matin levé, c'est le cochon qui, contrairement à son nom, perso, préfère le réveil collectif en se glissant sous tous les duvets. Très vite, la journée prend des allures de mission impossible avec l'annonce du nouveau défi imposé par Mr. Nice, tenir éveillé Doc Gynéco jusqu'à minuit pétante. Tandis que les colocataires épient les battements de paupières du Doc, les conversations sur les nominations vont bon train et c'est déjà l'heure des regrets. Regardez. Je croyais que c'était moi le cochon. J'ai senti des guilis sur les cheveux, je croyais que c'était quelqu'un. Et c'était le cochon. Donc ça, c'était beaucoup moins agréable. Donc un petit réveil en choc. Et j'ai vite couru à la cabane. Et là, on a dormi jusqu'à midi. Donc c'était formidable. On a très bien dormi, on a bien parlé. Voilà. Mais t'es fou, toi. Nous espérons que vous avez passé une belle et douce nuit sous le ciel étoilé. Ouais, c'est ça. Cette nuit à la belle étoile vous a permis de rajouter 2500 euros à votre cagnotte. Ouais. Moi, je suis mort, mais ça va. Aujourd'hui, nous vous proposons de continuer à la faire fructifier en relevant un nouveau défi. Ah non. Ouais. Mais on est cassé, là. En effet, vous allez devoir empêcher par tous les moyens le doc de s'assoupir ou de dormir tout au long de la journée. Oh. Et ça, jusqu'à minuit. S'assoupir, ça veut dire quoi? Si vous y parvenez, vous remporterez 1000 euros. Voilà. Ah, merde. Ça vaut plus que 1000 euros. On est à 11 et il faut qu'on ait une stratégie, tu vois. Une heure par personne. Je pense que c'est ça. On est 11 et il faut qu'on se dise chacun une heure. Ouais. Bruno? T'es levé? Ok. Il est levé, il est dans sa salle de bain. Il va pas s'endormir dans sa salle de bain. Bonjour! Le soleil, il est haut dans le ciel. Viens, viens avec nous. On peut lui dire? Non. Bonjour. Non? Bon. Putain, il dort. Tu dors, là? Tu dors. Ah, tu lis. Ça coûte super cher, ça. Ouais, j'aimerais bien que vous allez... J'ai jamais été non plus réglé aux heures. Je me suis jamais couché à une heure précise pour me lever. J'ai pas besoin d'un rythme, d'un nombre d'heures pour me sentir en forme. J'aime être toujours dans cet état de somnolence. Par contre, quand il y a de l'action, s'il y en a, si un ballon arrive, si Elena traverse la pièce en string, il n'y a pas de problème.
T'as peur de sortir ou tu t'en fous? Pardon? Ça te fait chier de sortir ou tu t'en fous? Ça m'est égal parce que ça fait... C'est très difficile de vivre ici. C'est ouais, là, ça, je suis d'accord, c'est difficile. Ici, c'est autant des inconvénients que des avantages. Ça veut dire que ça m'est égal. Dans tous les cas, j'aurai des avantages et des inconvénients. Elles sont différentes, mais dans tous les cas, je les aurai. Non, moi, j'ai pas du tout envie de sortir. Je me sens bien ici. Je me sentais moins à l'aise dans le groupe, donc ça allait de moins en moins bien pour moi. Mais la nomination m'a fait un grand bien, puisque j'ai tout lâché et je me sens... Et voilà, et donc j'ai bien récupéré et je me sens mieux. Mais moi je me... J'ai une mauvaise conscience en ce moment. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, je me demande si on a bien fait de nominer Elena. Elle est devenue toute normale tout d'un coup. Hein? Elle veut quoi? Elle est devenue toute normale. Ouais, mais justement, ça l'a... Ça l'a calmée. Déclic. Mais je me demande si je préférais pas que ça soit elle qui reste. Qui ça? Elena. Elle qui reste, ouais. Je sais pas, écoute, on verra quoi. Mais on est rentré dans cette stratégie. Maintenant, il faut l'assumer quoi. 13 jours qu'on vit ensemble, je découvre seulement ce soir qu'elle est laureata, comme on dit, qu'elle est diplômée en géochimie ou un truc comme ça, un truc dur, je pense, qu'elle a été mariée, plein de choses. Donc on découvre qu'on nomine des personnes et après, tu as des choses que tu dois seulement leur embrasser les pieds pour ce qu'ils ont fait. Et donc, je pense que c'est moche de nominer, mais que ça se base simplement sur des petites impressions des derniers jours. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais avec quelqu'un. Ah. Et attends, il y a le doc qui est en dehors. Ah non, 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 il nous pose des cœurs. Là, j'ai peur. Je pensais qu'il réfléchissait. Je me suis dit non, il réfléchit trop. Ça va être une horreur. Attends, l'heure de la sieste, c'est terrible. Hein. C'est juste mais on minute. Peut faire une sieste. Mais non, hein. Non, mais nous, on va faire une sieste. S'il n'y a pas un ballon, mais... le doc, il va s'en aller. Nous, les cousiniers, oui. Non, j'ai fait un petit traitement non commis, donc... Petite danse. Viens, on va faire des pattes, on va faire des pattes. Non, non, viens avec moi, faire une petite danse. Allons faire les pattes. Oh là là. Allez, ouh, la 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 L'italienne est aphrodisiaque. J'ai remarqué qu'elle avait quelques bleus sur les fesses, les genoux amochés. Je trouve ça excitant. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas lâché Doc Gynéco d'une tresse. Vous le savez, nos nice people viennent des quatre coins de l'Europe. Par conséquent, certains butent ou boutent sur les mots. C'est pourquoi Mr Nice, toujours très pointilleux, décide d'organiser une leçon de français. Le cours est naturellement dispensé par Prosper. Et c'est l'occasion de découvrir une Elena plutôt dissipée. Autre nouvelle qui valent leur pesant de spaghettis, Raimundo a changé de coupe de cheveux grâce à Mick, le nice belge. Et Serena est la grande gagnante d'un test de sensualité. Son trophée est brun et bronzé, je vous laisse deviner. Cher nice people, il est admirable de vous voir communiquer depuis le début de votre séjour dans un français quasi parfait. Toutefois, afin de le perfectionner encore un peu plus, nous proposons à Elena, Anti et Serena de suivre un petit cours de prononciation dirigé par le professeur Prosper. Merci. C'est Anti, lève-toi. Moi ? Mon maître. Vous deux. On a assez d'extra bon, non ? Maintenant, concert. On va faire. Ça va être le. Le concert. Non, non, non. Maintenant, ça va être une question de rapidité. Suivez bien. Suivez bien. D'accord ? Vous la suivez bien ? Vous la voyez ? Attention ! Pardon, excusez-moi. On reprend. Oui! C'est bon, tu es éliminé, tu as gagné. Merci. Maintenant, allez, lève-toi. Putain. Et il faut t'as intérêt à la battre. Hein. Je suis en nomination avec elle. Hein.
Je compte sur toi. Franchement, hein. T'es vraiment un lait, quoi. Un, deux. Oh, un. Un. Hibou, roux et doux, hurle et ulule. Et ulule. Ulule. Comme un. Monsieur le professeur, faux, pardon. Mais à l'école, tu n'étais pas discipliné, toi. Hein. C'était une horreur. Pardon, monsieur le professeur. Au piqué, Elena, viens ici. Au piqué. À genoux. Non, non, Elena, viens par ici, s'il te plaît. Tu vas fixer droitement ce mur blanc et tu ne bougeras pas. Tant que je ne te dirai pas. J'ose jamais. Moi, Elena, des fois, je trouve qu'elle sort des termes, des mots qui sont assez difficiles pour des étrangers. Elena, elle m'impressionne un petit peu. Elle parle un bon français, Elena. Allez, levez-vous les trois. Tout le monde en cœur. On y va. Taisez-vous, s'il vous plaît. Un hibou roux et doux hurle et ulule comme un fou. Bravo tout le monde, on peut faire des applaudissements. Et je propose maintenant test. La vitesse accélérée. Non, test réussi. J'ai appris beaucoup des gros mots. J'espérais avant de rentrer dans ce jeu que je vais apprendre mieux le français. C'était un de mes intérêts. Finalement, j'ai appris beaucoup de choses et surtout le slang de la jeunesse française, bon, de la jeunesse qui parle français. Parce qu'à l'école maternelle, surtout en Sibérie, on m'a pas appris certains mots. Ne me rate pas, hein. Enlève ton micro. Attends, bouge si, pas. Il faut quand même faire, il faut faire bien, quoi, tu vois, tout. Je te fais une petite crête ou quoi? Arrête, tu me laisses tout uniforme. Hein. Non, mais au début, je te fais une crête. Non, mais t'es ouf. Ouais, ouais, fais une crête pour rire. Oh, putain. Non, c'est pas, ouais, c'est bien, pas court. C'est pas très court. Ça va? Ouais. Voilà, regarde ce que j'ai perdu. C'est à moi, ça? Mais je suis brun. Je suis super brun, quoi. C'est une bonne tondeuse. Non, mets plus haut. Quelle bouille. C'est vraiment un truc. Ça tue, ouais. Ça va, c'est pas long, c'est pas cool. Mais tu m'en fous partout, là. Moi, je t'aimais bien avec les cheveux longs. Ta gueule. Putain, Elder, je suis stressé, là. Ah, l'oreille. Eh ouais, mais... mon dos, bouge pas. Laisse la faire. Mais prends-la, l'oreille, hein, quand tu passes. Ouais, ouais. Tu veux que je t'aide, Mick? Non, ça va. Assiste. Ouais, j'aime pas, quoi. T'as mal fait pour moi, je trouve. Qui? J'ai mal fait quoi? Mais de laisse tomber, vieux, t'es con, quoi. Mais arrête, vas-y, déjà arrête, c'est dur, quoi. Arrête, te fais chier, ça, parce que tu étais bien avant, je trouve. Mais Elder, fais pas chier, quoi. T'as plus de forme. Mais quoi, fais pas chier. Moi, on t'a pas demandé. Mais non, mais je le dis quand même. Et puis, tu pas droit. Attends que ça finit, alors. Bah non, mais je te le dis quand même déjà. Arrête, tant que ça finit. Je préfère avant, c'est tout. Bah voilà. Ça t'enlève ton charme. Quel enculé, putain. T'es vraiment un enfant. Heureusement que t'étais un ami, hein, ici. T'imagines mes ennemis? T'imagines Prosper, ce qu'il va me dire? De côté, mais coupe-le de côté, là. Ah. Mais tu fais pas bien ton boulot, je te dis. Putain, Elder, ferme ta gueule ou mais je sais non, pas, je vais rater. Je te le dis que tu fais pas bien ton boulot. Vas-y, on y va, je le tiens. Moi, je le ferai avec plaisir. Non, mais arrêtez, frère. Je le tiens. Ah, ça va super beau, ça. Regarde le truc que t'as ici. Gay Pride, ouais. Ça va, hein? Je trouve ça assez cool, moi. J'ai fait de mon mieux. Je pouvais pas faire mieux. Pourquoi ça va pas du tout, quoi? Non, ça marche bien, moi. Je trouve que c'est sympa. À part le petit blanc, là, parce que j'ai pas bronzé ici. Ça va se réparer. Moi je pense que ça va. Mais moi, j'aimerais savoir toi ce que tu en penses. Tu me trouves mignon ou pas? Doc, dis-moi que t'es pas en train de dormir. Merde, je dois finir. Va peut-être voir. Hein? Oh. Doc, tu dors ou quoi?
Tu dors pas, hein? Non, j'ai rien. Ok. Il dort pas. Il fait quoi? Il était en toilette, dans la toilette. Le pauvre. C'est génial. Elle est surprenante, cette fille. C'est incroyable. J'ai inventé ce truc-là. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force, qui me détente beaucoup, mais surtout que ça me permet de sortir des choses de moi. J'avais une relation très, très douloureuse. Douloureuse? C'était ma dernière relation. Et j'ai tellement souffert que... Je suis dans l'état où je ne veux pas avoir plus de souffrance. Mais combien de temps ça a duré? 3 ans. Ça a fini depuis combien de temps? C'est le 1er janvier. C'est vrai? Non. Ma copine m'a dit que notre femme attend un bébé de lui. C'était tellement bouleversant pour moi, tellement douloureuse. Que j'ai arrêté toutes les contacts. Mais c'est pas lui qui t'a dit ça? Non, c'est pas lui. C'est une autre personne? C'est ma copine, oui. Et tu as une preuve de ça? Tu lui as demandé? Non. Alors comment tu sais que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. Parce qu'un jour, il m'a dit... Mais comment que... tu peux prendre un risque de dire c'est fini si tu n'as pas la preuve que c'est vrai? Il n'a pas rappelé depuis non plus, lui. Cher nice people, êtes-vous plutôt câlin ou coquin? Êtes-vous plutôt raison ou passion? Pour le savoir, nous vous proposons de jouer à un petit jeu afin de tester votre quotidien sensuel. Elena, tu vas mener le jeu. Je devine la question numéro 1. Question numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Pour vous, l'amour, c'est... A. Regarder ensemble dans la même direction. B. Se compléter. Et C. Faire l'amour. J'aimerais bien présenter le maillot. Pour moi, c'est la question, la réponse B, se compléter. Éléonore. Pareil, pour moi, je pense que je dirais aussi que c'est se compléter. Nale. Et moi, je pense que je vais prendre la réponse A, regarder ensemble dans la même direction. Combien de fois par mois faites-vous l'amour? Alors... Oh là là, ça ne pas. Ici, pas beaucoup. Hein. C'est mois, c'est dur. Hein. Entre 1 et 5. Plus de 10 fois par mois. Entre 5 et 10 fois. Ça, moi, car je voyage beaucoup, c'est plutôt la réponse C, entre 5 et 10 fois. Ah, parce que t'as attends, mais là, je non, je voyage pas avec mes partenaires sexuels. L'abstinence ne me dérange pas trop. Parfois, j'ai des rêves érotiques. Peut-être ça vient de la manque. Dans mes rêves, ce serait B, mais en fait, c'est entre 5 et 10. Réponse B pour moi. Et comment tu yeah. Moi, je dirais... pour moi, que pour la plupart du temps, c'est entre 5 et 10 fois. Et moi, je suis célibataire, donc entre 1 et 5. Avez-vous déjà utilisé des gadgets pour faire l'amour? À mon avis, il n'y a pas de principe. Ah non? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Voilà, C. Réponse B. Ah bon? Mais...
Je peux faire une question. Les gadgets, ils sont aussi, je ne sais pas. Les masculins et les féminins aussi, ça peut être. Mais seulement ça, ou aussi, non, je ne sais pas, la nourriture. Le micro. Oui. La nourriture aussi. Ah, ok. Oui. B. 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 Mais vous êtes tous des porcs. Prosper. A. Bon, je vais pas dire C parce que je vais pas assez loin. Je vais dire B. Mais attends, tu l'as déjà dit. Ils peuvent déjà. Tu peux dire quoi d'abord, s'il te plaît. Cochonne. Dommage, c'est foutu. B, 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 B. B. C. Ouais, ouais, mais attends, c'est normal, il est gynéco. Mais je me suis rendu compte que... les nice people avaient peur de se libérer sexuellement. Ça m'a embêté, mais bon. Attends, ouais, c'est suspense, suspense. Le 2 La fille la plus sexuelle de la villa. Oui, oui, oui. Bravo. Pour te récompenser, tu peux nous commander pour ce soir les dîners de ton choix à partager avec les personnes que tu choisiras. Tous les garçons de ton choix va devoir te faire un striptease intégral. Alors j'ai choisi Prosper. Oui, pour manger. Et le strip, les garçons de ton choix. Allez, c'est impatient. Putain, le string, le striptease, c'est pour. C'est tu pour tires, la fin, t'essayes de bien tirer. Hein. Toi alors, chapeau. Voilà, chapeau, et c'est parti, mec. Attends, je t'annonce. Attends. Je t'annonce. Attends, moi, j'enlève les lunettes. Hein? Les lunettes avec le chapeau, c'est mieux sans les lunettes. Je t'annonce. Musique, musique. Allez! Entre nous, il est vraiment un bombe. Il est... Oh là là, j'ai honte pour moi. Un homme danse très sensuellement devant toi et toi t'es là et tu le regardes, tu te sens vraiment bien, c'est un peu comme être en paradis. T'étais un peu excitée?
Ben oui, un peu. Je dirais bien, bien excité. Vous le savez, Elena Larusse et Prosper Le Français sont nos deux nominés cette semaine. L'un d'entre eux vit ses derniers instants dans la villa. Et vous seul pouvez décider qui d'Elena ou de Prosper aura le droit de continuer l'aventure Nice People samedi soir. Pour cela, vous le connaissez maintenant, le numéro c'est le 0897 66 2003. Vous pouvez également voter par SMS. Vous inscrivez le nom de celui ou de celle que vous souhaitez voir rester dans la villa et vous l'envoyez au 70 200. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de Nice People. Entre le dîner en tête-à-tête de Serena et de Prosper et les larmes de Michael, en avant les émotions. A tout de suite. C'est la suite de Nice People. Vous le savez, vous pouvez jouer avec nous chaque jour au Nice Quiz. Et bravo à Jean-Jacques Nellig, notre gagnant d'hier. Si vous voulez vous aussi gagner une soirée exceptionnelle à Nice sur le plateau de Nice People, voici la question. Quel Nice People Serena choisit-elle pour effectuer ce fameux striptease? Téléphonez au 3280 ou jouez par SMS en tapant Nice au 72 500. Vous serez peut-être le gagnant et vous le serez demain en regardant cette émission. Tout de suite, retour au cœur de la villa pour vivre avec nos Nice People leur fin de soirée. Au programme, musique. Reggae, Doc Gynéco est totalement dans son élément. L'ambiance est détendue, mais l'émotion prend le dessus et s'empare de Michael. On s'est pris la tête un peu tous les deux quand même. Oui. Oui, moi, j'étais vraiment idiot. Ouais. Ah non, mais arrête de dire ça. Non, mais s'il te plaît, pour moi, tu le dis pas alors. Quoi? Non, je sais que c'est un peu hypocrite parce que je t'ai... Mais c'est pas hypocrite, c'est... je t'ai dit, c'est... Quand tu es nominé, c'est toi devant toi, c'est moi-même, c'est pas toi. Moi, la première semaine, je voulais te nominer. Tu m'as nominé? Non. C'est vrai? Non. Mais j'y réfléchis, tu vois. Mais je me disais, mais putain, si elle se casse, il y a un trou. Alors que si Catherine, et je vais te dire sincèrement, je te le dis maintenant, si Catherine ou Raquel partait... Mm-hmm. Ben oui, moi, elle est nommée, je l'ai nommée tous les deux. Sans être méchant, hein. Non, Raquel, non, Raquel ne me manque pas. Non, moi non plus. Bon, c'est vrai qu'elle était... Non, mais... Tendre, elle mais était dans tendre, la... gentille, oui, mais... Dans, la... dans oui. L'équilibre du groupe. Ouais, ouais, ouais. Moi, je dis oui. Bouge doucement, fais comme si tu fais l'amour. Mais ça, j'ai un sentiment, quoi. J'ai un feeling pour une personne, pour un événement, pour ça dépend de la chanson. Et j'ai vraiment, je me suis senti super bien après ce truc parce que je pensais pas que ça pouvait m'arriver et d'être là comme ça devant tout le monde et d'avouer sa faiblesse, quoi. Quand je verse une larme, c'est mon cœur qui parle, j'y puise mon mélo, tous mes plus beaux mots. Ouvre-moi ton cœur. Je n'ai pas un cœur de pierre, une mécanique sous mon thorax. J'ai un cœur de chair, romantique, jamais furax. Un cœur fait de douleur, j'ai mal, enfant du malheur. C'est la fête des mères, frère, c'est la misère. J'irai voler des fleurs pour les offrir à ma mère. C'est pas mes abdos, des tablettes de chocolat. Soulève mon polo, tu verras tout ce que j'ai péta. Pourquoi mon cœur pleure des larmes de haine? La haine, je l'ai aimée comme la femme que j'aime. Je me souviens d'un Noël où il n'y avait rien sous le sapin. Pourtant, sur mon bulletin, il y avait que des 20 sur 20. Mon père aurait dû me prévenir qu'on était en chien. Mais quand je verse une larme, c'est mon cœur qui parle. J'y pise mon mélo, tous mes plus beaux mots. Ouvre-moi ton cœur. Tu veux pas dormir avec moi? Si, je veux énormément. Mais imagine que ce que dira ma maman. Mais elle va pas regarder pendant qu'on dort, ton maman. Ah, on sait pas.
Moi, je comprends pas. En dehors d'ici, moi, j'ai un certain succès et là, j'ai l'impression que personne n'est attiré par moi. Oh, Raymond, je suis attiré par toi. Mais ouais, mais... Tu n'as pas remarqué, cher Raymond, que chaque fois quand je trouve la place pour m'asseoir, je trouve toujours la place à côté de toi. Mais... Tu n'as pas remarqué? Est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi? Parce que tu as un sens d'humour exceptionnel. Et j'adore, je ris comme une folle chaque fois quand je te vois. Et chaque fois, c'est une fête pour moi. Des minutes et des heures qu'ils ont passé à côté de toi, c'est la fête. Ça me fait plaisir. Est-ce que c'est... Mais bon, mais physiquement. C'est physiquement, alors. Quand on vit mal l'abstinence dehors, on fait en sorte qu'il n'y ait plus d'abstinence et c'est pas trop compliqué d'une façon ou d'une autre. Ici, il reste 5 femmes. Il y en a une qui me plaisait, je pense que c'est fini. Enfin, que c'est fini, que c'est pas possible. Les autres ne sont pas forcément mon grand... excuse-moi pour le mot très trip, parce que je trouve pas c'est comme ça qu'on parle. Donc je le vis bien forcément. J'ai une impression que n'allait pas du tout attiré par moi. Moi, j'ai l'impression que Nané n'est attirée par personne. Ah oui, j'ai cette impression et ça me dérange, ça m'intrigue, la question. Par qui est attirée? Parce qu'il n'est pas attiré même par Antti. Même pas moi. Même pas toi, ça veut dire... Antti, dit-il Antti avec un soupir. Même pas. Non, s'il n'est pas attiré par les filles, bon, peut-être il a pu être attiré par toi, mais il n'est pas attiré par toi, cela veut dire. Qu'il se cherche. Je vous rappelle que c'est vous seul qui pouvez à présent décider qui d'Elena ou de Prosper aura le droit de rester dans la villa samedi soir. Pour cela, composez le numéro, le 0-897-66-2003. Pour qu'Elena reste dans la villa, vous tapez 1. Pour que Prosper reste dans la villa, vous tapez 2. Je prends mon souffle. Vous pouvez également voter par SMS en envoyant le prénom de celui ou de celle que vous souhaitez sauver au 70-200. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous de nous suivre chaque jour. On se retrouve demain à 18h05 et bien sûr à 20h50 avec Arthur pour notre grande émission. On se quitte en direct depuis la villa. Nos amis belges sont connus pour leurs blagues et Michael a décidé de le prouver. Mais vous allez le voir, personne n'est dupe dans la villa, c'est l'arroseur arrosé. Excellente fin de soirée sur TF1 et un très bel anniversaire à Caroline. Buonasera. Ah ! Mais putain ! C'est quoi ? Mais putain, mais fais chier! Mais merde! Ah, je pensais que c'était toi, parce que moi je pensais que c'était Mais merde! Putain, mais attends, putain! Là, regarde. Oh oui, il y en a un là! Ah là, il y en a un aussi! Mais merde! Non, regarde-moi ça! Mais putain! Et ah, on les garde pour les autres. Les gars, attendez, laissez. Ça, c'est marrant, ça, faut le garder. On les garde pour les autres. Et les gars, attendez, laissez. Allez, c'est qui qui a fait ça? Le gars qui a fait ça, de toute façon, il va jamais s'asseoir, ça, c'est certain. Mais cache. Ah, mais t'es du cachet. Ah, mais toi, on voit que t'as du boule, Attends, mais ça, c'est pas de l'eau, ça, par contre.